Le cannabidiol, CBD, est l'un des nombreux composés cannabinoïdes présents dans le cannabis. Il ne semble pas altérer la conscience ni déclencher un high. Une récente vague de publications scientifiques a mis en évidence des preuves précliniques et cliniques documentant l'intérêt de la CDB dans certains troubles neuropsychiatriques, notamment l'épilepsie, l'anxiété et la schizophrénie. Les preuves suggèrent un effet calmant du CBD dans le système nerveux central. L'intérêt pour la CBD en tant que traitement d'un large éventail de troubles a explosé, mais il existe peu d'études cliniques sur la CBD dans la littérature psychiatrique. Objectif : déterminer si le CBD contribue à améliorer le sommeil ou l'anxiété dans une population clinique. Conception : une vaste série de cas rétrospectifs dans une clinique psychiatrique impliquant l'application clinique du CBD pour les plaintes d'anxiété et de sommeil en complément du traitement habituel. L'examen rétrospectif des dossiers comprenait une documentation mensuelle de l'anxiété et de la qualité du sommeil chez 103 patients adultes. Principaux critères de jugement. Score de sommeil et d'anxiété, à l'aide d'instruments validés, au début et après le traitement à la CBD. Résultat. L'échantillon final comprenait 72 adultes présentant des préoccupations principales d'anxiété, 47, ou de manque de sommeil, 25. Les scores d'anxiété ont diminué au cours du premier mois chez 57 patients, 79,2%, et sont restés diminués pendant la durée de l'étude. Les scores de sommeil se sont améliorés au cours du premier mois chez 48 patients, 66,7%, mais ont fluctué dans le temps. Dans cette revue de diagramme, le CBD était bien toléré chez tous les patients sauf 3. Conclusion. Le cannabidiol peut avoir un effet bénéfique sur les troubles liés à l'anxiété. Des études cliniques contrôlées sont nécessaires. Obtenez plus de vidéos comme celle-ci. Cliquez sur s'abonner, puis cliquez sur l'icône du cloche pour être averti lorsque nous publions de nouvelles vidéos.